Eh bien, la manifestation bat son plein. Nous en sommes effectivement au troisième jour. Et je suis très heureux de vous annoncer que nous avons déjà dépassé les plus 15% par rapport à l'édition 2009 en cumul de visiteurs. Donc, une très très bonne orientation. Depuis mardi, le visitorat ne cesse de croître à chacune des journées d'Equipoto. De nombreux temps forts, comme toujours, et encore plus aujourd'hui, avec deux événements importants. Le colloque de la carrosserie qui s'est tenu ce matin, une initiative importante de la Fédération française de la carrosserie, un des partenaires actionnaires d'Equipoto. Et c'est un colloque qui était vraiment destiné à un recensement que l'on a fait de tous nos carrossiers réparateurs qui existent en France. Il y en a 14 000, donc c'est un référencement qui va complètement, je veux dire, donner satisfaction à toutes les fédérations qui sont intéressées par la filière automobile. Le forum enseignement supérieur organisé par la FIEV et Madame Jacqueline Lair, responsable des ressources humaines, donc consacrée au recrutement et au métier dans la filière automobile. Alors c'est une conférence qui s'adresse aux jeunes de l'enseignement supérieur de Bac plus 2 à Bac plus 5 et donc des élèves qui sont dans le choix de leur orientation professionnelle. Les jeunes eux-mêmes s'interrogent toujours sur la façon de pouvoir intégrer une entreprise et quelles sont les voies de succès pour pouvoir justement faire des parcours réussis. Et nous avions à cet égard le témoignage d'industriels. Et bien sûr, un programme riche et abondant de tables rondes, de conférences sur le forum après-vente automobile avec des sujets comme les réseaux de franchise, la diversification d'activités et un thème qui nous tenait particulièrement à cœur cette année, le DMS. C'est le Dealer Management System, un nom barbare qui signifie tout simplement un outil pour améliorer la relation client pour les professionnels. Que l'on soit concessionnaire, agent ou autre, on a besoin de cet outil informatique pour justement établir la facturation, gérer les garanties et gérer à la limite tout ce qui se passe au quotidien, donc le planning, réception, atelier et autres. C'est un outil qui est indispensable, mais encore faut-il savoir bien s'en servir. Et justement, on va voir avec les différents acteurs quelles sont toutes les possibilités offertes par cet outil informatique qui est là pour aider en fait le professionnel à améliorer sa rentabilité, à gagner plus. Et en plus, on parlera de les tendances, notamment le lien vers tout ce qui est réseaux sociaux et les outils nomades comme par exemple les smartphones et les tablettes tactiles. Après deux jours de salon, mes impressions sont absolument excellentes. Je pense que ce salon Equipoto se déroule et se présente sous de bons auspices. Nous sommes avec des progressions qui sont significatives par rapport à l'édition précédente, des progressions à deux chiffres. Le salon n'est pas terminé, mais tel que je le vois parti, je crois que ça sera une belle édition d'Equipoto. Donc vous voyez, beaucoup d'événements, une grande richesse à l'image de ce qu'est Equipoto. International Car Wash Association has 2,000 members, primarily North America, but also 25 other countries. Yes, we're just beginning. In fact, last year, we began a dialogue with the Italian Federation and several other European car wash organizations. And those meetings have just really begun. So now it's been focused on exchanging market information that helps our members. But going forward, there's lots of opportunity, we think, for commerce and education and all sorts of other benefit to the mutual markets. We have a very good feeling with AICA because they have the same view about the environment. This is our passion. We are green health. And when they are in Bologna, there is the first meeting when they met the first time, Holland, England, who is the other guy, German, right. Something like that. Everybody talk about the same language, but nobody know each other. So it was fantastic to hear the other people that have the same passion as our association.